Broum broum, je passe sur une roue vers la rose. Petit frère rêve de bagnole, de pingue et de thune, de réputation de dur. Pour tout ça, il volerait la lune. Il collectionne les méfaits, sans se soucier du mal qu'il fait. Tout en demandant du respect, peu lui importe de quoi demain sera fait. De donner à certains des raisons de mépriser son cadet. Dans sa tête, le rayonnement du tube cathodique a étouffé les vibrations des dames dames de l'Afrique. Plus de cartable, il ne saurait pas quoi en faire. Il ne joue plus aux billes, il veut jouer du revolver. Que des massacres. Demande à GLK, la go à GMK, vago à GMK. J'fais le Totorina comme Totorimka. Si on t'autorise pas, motorise-toi. On connaît l'espoir, on connaît l'Espagne. On connaît très bien ceux qui perpétuent les mêmes passes. On connaît les erreurs qu'ils ne reconnaissent pas. On va te ramener le... Eh bien, salut tout le monde, c'est Fanjo. J'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part, ça va super. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 Online. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter tout simplement comment se loter son véhicule avec les roues qui vont changer tout simplement. Donc on pourra changer les roues et se loter l'intérieur. Donc tout d'abord, en prérequis, il vous faudra le centre d'opération mobile en module 3, le dépôt de véhicules personnels. Ensuite, vous allez dans Warstock et vous prenez l'oppressor MK2 qu'il faudra mettre dans le centre d'opération mobile. Une fois que ceci est fait, il faudra avoir une magic slot. Donc je mettrai la vidéo comment créer sa magic slot. Donc tout d'abord, il faudra vous bugger. Donc je n'ai pas fait le glitch dès le début. Je vous mettrai la vidéo en description. Donc là, une fois que vous êtes bugué, il faudra tout simplement appeler sa magic slot. Une fois que vous avez appelé la magic slot, il faudra tout simplement monter dans le véhicule que vous voulez mettre l'intérieur. Donc pour ma part, ça sera la cyclone. Donc une fois que votre magic slot, autant pour moi, elle a spawn, il faudra demander à votre ami qui vous invite dans le centre d'opération mobile. Une fois qui vous a invité, il faudra le rejoindre. Vous rejoignez ensuite un AWAG 2, P4 en titan, et vous spammez sur tous les messages. Donc une fois que c'est fait, vous allez spawn dans le mock avec un écran noir. Vous rejoignez un AWAC et là vous allez spawn comme ceci. Donc ça va vous faire un écran freeze. Voilà. Donc quand c'est comme ça, il faudra faire flèche du haut. Même si vous ne voyez pas, vous faites flèche du haut. Et vous faites X et X. Comme ça, ça va vous emmener dans une activité, peu importe laquelle. Donc si ça ne vous fait pas ça, il faut demander tout simplement une invitation au MOC, donc au centre d'opération mobile, à votre ami. Donc une fois que c'est fait, vous quittez tout simplement. Et ensuite, il faudra demander à votre ami qu'il vous invite dans son centre d'opération mobile. Donc une fois qu'il vous a invité, il faudra tout accepter. Comme ça, vous spawnez directement au casino, dans son centre d'opération mobile. Donc là, ensuite, il faudra quitter son centre d'opération mobile, afin de poursuivre le glitch. Une fois que vous êtes sorti du mock, il faudra tout simplement préparer votre outil. Donc, il faudra préparer votre centre d'opération mobile et votre MK2. Donc, voilà. Il faudra préparer le centre d'opération mobile et l'MK2 pour vous rebugger. Pour qu'ensuite, vous puissiez slotter l'intérieur. Donc là, il faudra demander ainsi à votre ami
qu'il vous amène tout simplement l'intérieur. Donc, moi, pour ma part, j'ai pris des Rubio Hazard avec un intérieur orange. Donc là, il faut demander à votre ami ou vous-même de placer un véhicule. Une fois que c'est fait, vous allez tout simplement vous rebugger. Donc pendant ce temps, bien entendu, faut que votre ami amène le véhicule où il y a l'intérieur. Donc là, vous faites garage de la suite. Donc je vais vous montrer comment on se bug, vu que je vous ai pas montré pour la première fois. Mais autrement, les potos, n'hésitez pas à aller voir des vidéos qui sont sur ma chaîne. Je en mettrai en description. Donc voilà, là pour ma part, je me suis raté une fois. Donc ça arrive à tout le monde. Je laisse le gameplay pour pas vous montrer que c'est du fake. Voilà. Donc une fois que vous êtes ici, il faut tout simplement aller vers l'ascenseur. Il faut rester dans le rond jaune. Une fois que vous avez le menu, vous faites casino et flèche de droite. Comme pour le don. Ensuite, il faudra tout simplement faire activer le parachute et aller au point de don. Une fois que vous êtes au point de don, il faudra prendre votre MK2, tout simplement. Une fois que vous êtes sur la MK2, il faudra tout simplement vous diriger vers le véhicule que votre ami vous a placé au cul du MOC. Vous faites flèche de droite avec la MK2. Ensuite, ça va vous faire un écran noir. Vous faites ensuite pavé tactile, véhicule imposant, et vous renvoyez le véhicule. Tout simplement. Une fois que vous l'avez renvoyé, il faudra appeler donc la slot que vous avez récupérée tout à l'heure. Donc, pour ma part, c'est la cyclone. Donc vous appelez la cyclone, donc la slot. Logiquement, elle doit se trouver dans votre centre d'opération mobile. Une fois que vous l'avez commandé, donc vous pouvez vérifier sur la map. Donc vous faites option tout simplement. Donc une fois que vous avez vérifié, il faudra monter dans le véhicule que vous voulez récupérer l'intérieur. Donc voilà, ma cyclone, elle est bel et bien ici. Donc il faudra tout simplement... Donc vous montez dans le véhicule où il y a l'intérieur non sélectionné. Une fois que vous avez monté, vous ouvrez votre téléphone. Il faudra demander une invitation au centre d'opération mobile de votre ami. Et vous préparez votre déco reco, tout simplement. Une fois que vous avez préparé votre déco reco, il faudra tout simplement faire X sur le message. Et vite, il faudra faire double PS, vous déconnecter et vous reconnecter. Donc là, je fais X sur le message, je fais double PS, je déconnecte, je reconnecte et je reviens sur le jeu. Donc ensuite, il y aura un message d'erreur qui va spawn. Vous faites X sur le message et ça va vous renvoyer en mode histoire. Et ensuite, il faudra tout simplement revenir dans la session que vous étiez. Donc nous nous retrouvons juste après. Donc une fois revenu en session, il faudra tout simplement faire pavé tactile. Il faudra aller dans véhicule imposant, centre d'opération mobile. Et là, il faudra demander le véhicule personnel dans le centre d'opération mobile. Donc pour ma part, j'avais oublié de renvoyer un véhicule. Et là, je le demande. Voilà. Là, on patiente. Et vous verrez bien qui est l'intérieur. Il va avoir l'intérieur. Donc ma cyclone a bien pris l'intérieur avec les Rubio Hazard. Et voilà. Donc l'intérieur est bel et bien jaune, comme je vous ai dit. Donc une fois que c'est fait, vous allez tout simplement monter dans le véhicule
et vous dirigez OLS Custom. Donc une fois arrivé OLS Custom, il faudra tout simplement changer les roues. Donc je vais vous mettre les correspondances et je vais prendre les dernières de la liste. Donc le Split 6. Une fois que je les ai pris, je vais préparer mon Deco Reco. Donc une fois que vous avez préparé votre Deco Reco, dès que vous êtes prêt, vous faites X et vous faites double PS, vous reconnectez votre connexion, vous la déconnectez et vous la reconnectez, vous revenez sur le jeu et vous aurez le message d'erreur comme ceci, comme pour l'intérieur. Vous faites X et ça va vous renvoyer en mode histoire. Donc on se retrouve en mode online. Donc une fois que vous êtes en mode online, vous avez tout simplement juste à renvoyer le véhicule. Donc je ne sais pas pourquoi, mais renvoyez votre véhicule et appelez le véhicule qui est dans votre centre d'opération mobile. Donc le véhicule où vous avez changé les roues et l'intérieur. Donc vous attendez deux petites minutes, le temps qu'il spawn. Et voilà les amis. J'ai bien l'intérieur et mes roues qui ont changé. Donc là, il faudra tout simplement que votre ami le récupère et vous le redonne. Donc franchement, n'hésitez vraiment pas à profiter un maximum de ce glitch. Donc je remercie encore mon ami Nyakil de m'avoir aidé à réaliser cette méthode. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, on tente les 40 pouces bleus sur cette vidéo. C'était Fanjo, allez. Ciao!